Ritnella, les accros peuvent sentir les vibrations dans le sol, non? Ou les secousses? Tout à fait. Kin m'a dit que c'est ainsi qu'ils savent où se nourrir. Donc une sonde de la RDA qui envoie des signaux. Serait très perturbante, oui. Il y en a une d'active? Plus pour longtemps. Je vais l'arrêter.
Mais là, j'espère que c'était suffisant. Tu avais raison. Les machines provoquaient des vibrations dans le sol. Mais c'est réglé. Ah, Makamela. Tu te sens mieux? Oui? Eh viens, Sarentu. Ensemble, nous pourrons l'aider à retrouver sa sérénité. Ça va, Makamela? Et voilà. Bien. Vite, soleil. Très bien, mon ami. Et je comprends pourquoi Pasuk t'aimait tant. Et maintenant, c'est Makamela qui te remercie. Nous allons le ramener au camp. Tu veux te joindre à nous? Merci. Mais je dois faire le point avec Rinella. C'est une grande chef, celle-là. Même si elle a encore du mal à le réaliser.
des Aklous en fuite. Tout doux. Tout va bien, mon ami. Sarentu, tu as passé du temps parmi les Aklous. Ils te font confiance. Ces créatures sont fabuleuses, mais ne nous écoutent pas. Elles savent que nous ne sommes pas assez soi. Celui-ci fait de la résistance. C'est à cause des complaintes, je crois. Des complaintes? Tu les entends aussi? Dans le vent, les flûtes et soies hurlent. Pas étonnant que les Aklous soient à cran. Les vents des plaines se lamentent du retour de ceux qui viennent du ciel. Comme si eux aussi pleuraient leurs défunts. Le crash a dû secouer les flûtes et les désaccorder. Sosulma a appris à les réajuster. Ça peut peut-être aider. Là, les flûtes. Maintenant les autres. J'espère que ça apaisera le Zaklou. Ils me prennent pour cible.
Ça va? Tu te sens mieux? Le bruit s'est arrêté. C'est très bien. Tu vois, il n'y a rien à craindre. Je crois que tu as réussi. Ricknella, les Aklos sont en route pour leur camp. Pour le mieux. Bien. Ça fait une inquiétude de moi. Il y a d'autres choses qui t'inquiètent? Tu en as assez fait. Tu devrais revenir aussi. Hé, hey, je suis déjà sur place. Allez, dis-moi tout. Les cueilleurs Kamekili et les éclaireurs de soie ne sont pas encore revenus. Ils peuvent se débrouiller seuls, je sais. Mais avec la RDA qui rôde, je me dis que nous devrions tous nous serrer les coudes. Tu sais où ils sont partis? Les Kamekili cherchaient des herbes médicinales pour aider nos blessés. Les Essois, je ne sais pas. Ils étaient si furieux après l'attaque. J'ai peur qu'ils se soient attirés des ennuis. Thank you.
Zamhil, tu aides les cueilleurs ? Je surveille. Je ne tiens pas à ce qu'il y ait une autre attaque surprise. Peu importe le temps que ça prendra. Il nous en faut plus, Zamhil. Ces terres herbeuses n'ont rien à voir avec nos forêts. Ce n'est pas facile de cueillir ici. J'ai passé beaucoup de temps dans les plaines. Je peux aider ? La Sarentu se prend pour une cueilleuse. Et pourquoi pas ? Plus on est de fous, plus on rit. Pour ma part, j'aimerais qu'on accélère un peu.
Je ne faisais que passer. Je voulais pas déranger. Déranger? Tu entends ça, Aiwafi? Tu penses pouvoir déranger le vent? Ou dire à la brise vers où souffler? Les personnes comme toi et moi ne le dérangent pas. Il est loin des autres. C'est un vagabond? La plupart des Akrou suivent le troupeau. Mais certains, comme Aiwafi, préfèrent s'en éloigner. Comme de légères bourrasques. Ils soufflent dans leur propre direction. Néanmoins, ils aiment se sentir beaux, comme tous les Akrou. Tu veux essayer? Les baies font de la bonne peinture. Et Aiwafi appréciera d'être décoré par une Sarentu. Je crois qu'il est lassé de moi. Et voilà. J'espère que ça te plaira. Magnifique. Tu vois le sourire d'Aiwafi? Je pense qu'il se sent très beau maintenant. Peu de Zakrou vagabondent dans les plaines. Mais ceux qui le font méritent aussi qu'on s'occupe d'eux. Tu as fait preuve d'un grand respect envers Aiwafi. Si tu en vois d'autres, tu pourrais aussi les aider à se sentir beaux et leur dire bonjour de ma part.
danger se cache dans cette obscurité. Toute l'histoire de Passo, Analvita, ça lui fait toujours plaisir. Un concours? Pourquoi je... Assure-toi que l'armure de Tamu est très robuste. Juste au cas où, Dukari peut être féroce. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. C'est bon. Tu es libre. Les ombres de la nuit sont les bienvenues. Elles m'apportent un peu d'apaisement. Dukari a tellement...